Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, bon matin, il est quasiment 8h du matin, ici Jake sur Ivasound Studio. Nouvelle aventure sur Kirby Star Allies, un jeu de 2018 qui est sorti sur la Switch. Parce que à la fin du mois, un nouveau jeu Kirby arrive et donc je me suis dit pourquoi pas faire l'ancien jeu avant de faire le nouveau jeu. Comme ça, ça ferait une belle transition. Normalement, il sera assez court cette semaine, il sera terminé en 7, 8, 9, 10 heures. Kirby Star Allies devrait être terminé. Voilà, je dois reconnaître que je possède le jeu depuis très longtemps, depuis sa sortie, et que je n'y ai jamais joué. Jamais. Donc je m'attends à un jeu Kirby des plus classiques, à voir ce qu'il en est réellement. Mais voici tout de suite la cinématique, très belle cinématique, très graphique, de Kirby Star Allies. Regardez-moi cette petite boule rose, magnifique. Un peu dans le style Andy Warhol. Donc c'est Kirby et ses alliés. Et ses ennemis aussi. Tout rose, tout mignon, tout en cœur. Bon, tout en flamme aussi, tout cœur, tout flamme. Je trouve la cinématique vraiment, elle est simple, elle est vraiment simpliste. Elle est minimaliste, mais en même temps, elle est géniale. Je la trouve vraiment belle, cette cinématique. Et voilà, Kirby, petit cœur. Bon, eh bien, on va se lancer dans l'aventure. C'est parti. Comme vous voyez, j'ai pas touché au jeu. Let's go. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu des mises à jour gratuites en plus. Troisième mise à jour gratuite disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nouveau ami de rêve, jouer à un nouveau mode de jeu. Donc, il y a différents modes de jeu, d'accord. Donc, on a de nouveaux alliés, apparemment. Kirby Dream Land 2, Rick, Can et Koo. Max. De Kirby Superstar qui vient d'arriver, un nouveau de boss de fin. Un boss de fin? D'accord. Kirby de. Non, Gooey de Kirby's Dream Land 3. D'accord. Ça, c'est toutes les mises à jour gratuites que je rattrape, que j'ai jamais touchées. Hein. Adeline et Ribbon de Kirby 64 Crystal Shards. Ah, trop bien. Dark Meta Knight de Kirby et le Labyrinthe des Miroirs. Deroche, un voleur virtuose de Kirby les souris attaque. Magolor, de Kirby Adventure. En fait, il y a tous les personnages de tous les jeux Kirby, quoi. Taranza, Kirby triple deluxe. Je sais pas du tout combien il y a de trucs comme ça, je sais pas. Suzy, de Kirby Planet Robobot. C'est bon, c'est fini. C'est bon? Donc on a maintenant 12 amis de rêve. On peut faire appel à eux en tant qu'alliés. On peut faire appel aux amis de rêve depuis le palais des rêves du mode histoire. Il vous faut donc composer une équipe de rêve. D'accord. Nouveau tableau commémoratif. Donc il va falloir les reconstituer. Il y en a 15 au total. Très bien. Alors le mode histoire. Très bien. Ensuite, il y a quoi? Un puzzle, des réglages. Touchons les réglages dès le départ. Paramètres. L'astuce, oui. Intro, pouvoir d'ami. Je sais pas du tout ce que c'est. Il va falloir se souvenir de tous les pouvoirs de chacun et chacune, quoi. Bonjour, Wedgeos, en chat. Bonjour à Robert aussi, au passage. Vibration, oui, ça je m'en fiche. Il y a que ça en paramètres? On peut pas régler le son. Commande. Alors, joystick c'est bouger, cœur ami c'est X, sauter, attaquer, ça on est sur de quelque chose de tout ce qu'il y a de plus classique, et abandon pouvoir c'est Y, d'accord. Ensuite, héros de la frappe sidérale, je sais pas ce que c'est, on va aller voir les infos, donc ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, très bien. Jouer ensemble, ça doit être pour jouer à plusieurs sur le mode histoire. Oui, c'est ça. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Très bien. As de la hache, c'est quoi ça? Je découvre totalement ce jeu.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau jeu? Dans le jeu? Débuter, débiter autant de rondins que possible dans le temps imparti. Balancer le Joy-Con pour balancer la... Oh, c'est comme du Timberland, trop bien. Mais par contre, Joy-Con, je suis à la manette, moi, en fait. Vous pouvez aussi utiliser les boutons. Parfait, ça m'arrange. Faites attention aux chenilles et aux minérissons. Il faut les esquiver. D'accord. Les minérissons volent d'un arbre à l'autre. Débitez votre arbre autant que possible pour construire un chalet. Oh, le petit chalet. Bon, c'est du Timberland. J'adore Timberland. Ça commence en douceur. Allez, on commence par les mini-jeux. Trop bien, j'adore Timberland. Mais comment je fais? Ah d'accord, faut taper comme ça. D'accord. Ah, par contre, ça a pas la même rapidité que Timberland. Au secours. Ah, mais elle tourne, elle change de sens. J'ai fait combien? Je suis dernier, je suis avant-dernier. J'ai un petit chalet qui est même pas fini. Oh là là. Vous pouvez maintenant jouer... Oh. Oh, oh, oh. Oui, 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 jouons aux autres niveaux. Bon, c'est juste histoire de faire le mini-jeu comme ça j'en parle, on en parle plus après. Ok, je préfère Timberland quand même. Encore 15 mètres? Non! C'est fini! C'est fini, j'ai fait combien? 3600. Je suis dernier? Avant-dernier. Punaise. Je suis avant-dernier. Voilà. Bon. C'est difficile. On tente quand même dans le mode expert, le mode maître. Ah là, on tape plus vite. Ok, je suis nul. Vous me voyez derrière la cam? Ah non, il y a la caméra dessus, vous voyez pas. Bon, de toute manière, pour l'aventure, ça sera pas pareil. Punaise. Nul. Ah oui, je suis dernier là. Cette fois-ci, je suis dernier. Très bien. Voilà, j'ai même pas le toit. J'ai rien du tout là. C'est nul. Allez, on quitte. Bon, vous avez pas vu grand-chose à cause de la caméra, mais au pire, je la réduis. Où est le chat d'ailleurs? Alors, va falloir déplacer tout ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est, ça, le puzzle, là? Vous ne possédez pas encore de pièces de tableau. D'accord, très bien. Donc, va falloir y revenir plus tard. Héros de la frappe sidérale. Je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir. Oh, punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Une météorite approche, renvoyez-la d'où elle vient d'un grand coup de batte. Appuyez sur les boutons pour remplir la jauge de puissance, tâchez de la remplir autant que possible. Quand la météorite arrive, balancez le Joy-Con au bon moment. Ah, oh, c'est un jeu de rythme. Au secours. Robert va pas bien. J'ai envie de dire, Robert va souvent pas bien. Allez, courage Robert. Une météorite menace le village, ok, go. Là, je suis en haut à gauche, vous voyez. J'ai réussi? Ça, c'est comme un mini-jeu type Mario Party, jusque là, ça va. Bon, je crois que j'ai gagné. Voilà.
Jusque là ça va. On prend la difficulté au-dessus. C'est étrange de commencer par les mini-jeux. Hop là, parce que l'aventure n'est toujours pas commencée en vrai. Et première, encore. Bon, on va faire la difficulté 3, planète en danger. Oh, je crois que j'ai raté là. Là, je crois que je me suis raté. Ouais. Dommage. Ah, je suis avant-dernier. Pas grave. Bon, ça c'est fait. Des mini-jeux, c'est fait. On va pouvoir commencer l'histoire pour de vrai cette fois-ci. Ça compte comme étant de... Ok, je suis à 3% du jeu. Génial, j'ai pas commencé l'histoire, je suis déjà à 3%. Pardon. Très bien. Bon, commençons l'histoire, cinématique. Ou pas. Ou si. Ah, il y a l'arbre. Meta Knight. Roi de Didou. King Didi. Ne le touche pas. Voilà, je l'avais dit. Furby. Et comme par hasard, lui, il a un gentil cœur. Havre de paix Dreamland, niveau 1 du monde 1. C'est ça ? Alors pour l'instant je suis sur le hub, d'accord, très bien. Donc on bougera la caméra après, parce que pour l'instant je ne sais pas comment régler tout ça. Liste des étapes, qu'est-ce donc ? Verger vert, très bien. Galerie. Très bien. Oh, je peux bouger comme je veux, très bien. Retourner à l'écran, non. Il y a quand même des choses à récupérer là. Donc on peut aller dans le hub, faire des choses, très bien. Étoile. À quoi cela va servir? Je n'en sais rien. Petite étoile. Je me balade hein, pour le moment. Ok, donc on a le château, un niveau, ça fait 2, 3, 4. Ici, il va y avoir un niveau bonus. Donc on est sur une carte à la Mario. 5, 6, 7, peut-être 8. 8 niveaux dans ce monde. Très bien. C'est parti. Appuyez sur B pour que Kirby aspire un ennemi. Kirby peut aspirer tout ce qu'il peut. Alors, caméra sur 20. Kirby, il est derrière. Je peux pas baisser la caméra parce qu'il y a la vie ici. Bah, je vais la laisser là pour l'instant. Par contre, je vais bouger le chat. Le chat, il est ici. Je le bouge. Je vais le mettre au-dessus de la caméra. Voilà, ça sera peut-être plus propre.
Alors, aspirer. Envoyer un ennemi. Sauter. Flotter. Ok. Ça, c'est la toupie. Très bien. Bouclier. Enfin, bloquer, quoi. Ok, j'ai 3 boutons pour bloquer. Très bien. Allez, go. Sauter. Ok, jusque-là, ça va. Ça va. Et là, je prends un nouveau pouvoir. Je suis Link. Mais je crois que si je me fais toucher, par contre, j'ai plus de pouvoir. Ça. Y a rien de l'autre côté. Très bien. Bon, bah, go. Ennemi aspiré. Avalez-le pour obtenir son pouvoir. Bon, jusque-là, c'est du Kirby, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Ah! Une petite bombe. X, d'accord, je sors un cœur. Très bien, magique. C'est tout? Faites-vous des amis grâce au cœur ami. Ok. Appuyez sur X pour jeter un cœur ami sur un ennemi possédant un pouvoir. D'accord. Oh, la petite pente. Est-ce que tu joues tout seul, toi? J'ai pas besoin de te... D'accord, tu fais ta vie. Ok. Donc là, j'ai coupé une fleur. Ça m'a donné quelque chose. 1, 2, 3. Comment j'ai fait pour foncer? Oh, d'accord. Chaque pouvoir a ses capacités et je peux faire plusieurs choses à la fois. D'accord. D'accord, donc maintenant j'ai avec moi le chapeau, c'est Bébé Poupie, et le chevalier, c'est le Duc H-Viande. Va comprendre. Et avec moi, Sharpe Knight. Très bien. J'aime pas avoir autant d'alliés avec moi parce que c'est une énorme responsabilité, je trouve. Est-ce que je peux flotter? Oui, je peux quand même flotter, très bien. Quel intérêt? Je ne sais pas. Bah allez-y, faites le boulot à ma place, hein, ça m'arrange. Hein. Oh, une vie! Très bien. J'ai même pas tapé, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez en bas, d'accord. Bon, jusque-là, ça va, c'est facile. Non, c'était peut-être un cœur ami. Bonsoir. Allez, à vous. Bon, ça va, ils sont pas si bêtes que ça, les alliés. Ah, mais en haut, à droite, j'avais pas vu, je peux choisir... Enfin, je peux choisir, j'ai le tuto avec moi, quoi. Très bien. Ça m'arrange. Vous pouvez abandonner un pouvoir à maintenant Y en appuyant sur moins. Non. Oui. Choisissez l'ami à remplacer par Sharpe Knight. Mais j'ai déjà un Sharpe Knight. Du coup, je remplace par Sharpe Knight. Voilà. Des bananes! Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, le feu! Je le veux! Faites-vous un ami, oui, et levez votre arme. Choisissez l'ami à remplacer ben, le bébé Poppy. Voilà. Par le pouvoir du feu! Voilà, maintenant j'ai une pyro épée. Génial. Jusqu'à quand, je ne sais pas. J'ai rien fait. Ça sert à rien.
Excusez-moi, vous pouvez taper ça, merci. Manger 5 fruits et légumes par jour. Une cerise, ça compte pas comme un seul fruit, attention. Vous faites pas avoir. Il y a quelque chose en bas. Tout le monde l'a vu, il y a quelque chose en bas. On se casse. Voilà. Alors par contre, je descends ici, s'il vous plaît. Mais si, il y a quelque chose en bas. Pardon, mais... Non, il y a rien en bas. C'est bizarre. Bon, d'accord. Une pièce de puzzle. Parfait. Il y a rien de l'autre côté. Toujours pas. Toujours pas. Oui, donc en gros, l'espèce de roue, c'est rien d'intéressant. J'ai l'impression de jouer un... C'est un mix entre Yoshi et Mario, quand même. Bon, c'est le but du Kirby, quand même. Hop là. Là, on est quand même sur un jeu Kirby en 2D classique. Le Kirby qui sort à la fin de ce mois-ci, ce sera pas un Kirby classique. On sera sur un Kirby en 3D, en monde ouvert. Ça change totalement de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur les Kirby. Tout cassé. Du puzzle. Attendez, sauter, c'est ça. Voilà. Non, mon ami, il a perdu de la vie. J'ai pris un melon. C'est un melon ou pas sec? Mais non! Ah, ils ont pas pris de dégâts. D'accord. La petite étoile. Wow. Lui, je l'aurais bien aspiré, mais j'aime bien mon épée de feu. Qu'est-ce donc? Un mini-boss. C'est un frigo. C'est frigorifique. Je le démonte. Voilà. C'est fait. Ah, faut sauter. Oh non, un nouveau pouvoir de glace. J'ai plus mon épée de feu. Mais non, je suis la reine des neiges. Voilà. Vous voulez une haleine fraîche, manger des chewing-gums. Oh, un trésor. Qu'est-ce que c'est? Ça me régène la vie. J'espère que j'ai rien oublié. Quelque chose à gauche. D'accord, donc le froid bat le feu. Très bien. Oh, un gros puzzle. Parfait, c'est le gros puzzle. Grosse pièce de puzzle. Non! Ah, c'est bon. J'ai cru que je l'avais raté. Mais ça va. T'es un gentil, toi? Non. Allez, chacun sa pince. Plein d'étoiles! Parfait. Ah, il y en a un qui a eu un macaron, je crois. Ou un sandwich, je sais pas. Ça ressemblait aux deux. Fin du niveau, je crois. Bon, jusque là, ça va. C'est pas très difficile. Qu'est-ce que c'est? Jeu de fin d'étape. Oula. Oh, les mini-jeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sauter. C'est tout? D'accord, c'est tout. Regarde... regarder au-dessus de la porte du niveau. Peut-être. Oh, on est dans un système comment ça s'appelle? La place Mi dans la 3DS. L'idée, c'était d'avoir la 3DS tout le temps
un Wi-Fi, surtout quand on est en convention, par exemple, on a la DS avec nous. Et quand on croisait des gens, ça nous ajoutait des personnes à notre place Mi, et ça nous faisait avoir des nouvelles pièces de puzzle, et à chaque fois, ça nous permettait de compléter des nouveaux puzzles sur le truc. Et ça nous donnait aussi la région de chaque personne qu'on avait croisée. Croisée en vrai, mais croisée juste croisée. Et ça pouvait nous colorier les régions, voire même les pays. Ajouter divers effets. Feu, glace, électricité. D'accord. C'est un jeu Pokémon. Coupole chocolat. Alors là, j'ai eu un cœur et une pièce... Non, la pièce de puzzle, c'est la grosse pièce de puzzle. Et le cœur, je sais pas, je veux juste dire qu'il est terminé. Peut-être. Alors. Il faut aspirer quelqu'un. Ah non, c'est un nouvel ami. D'accord. Choisissez l'ami à remplacer par Jaido. Ben le duc H vient d'aller. Que fais-tu? C'est quoi? C'est un... Je sais pas ce que c'est. C'est un truc. C'est un poisson? C'est un poisson. Aïe! Il me fait des dégâts. Il fait des arcs-en-ciel et tout. Il la repop derrière. Faut faire attention par contre. Ah d'accord, nouvelle capacité. Parfait. Je me suis pris un dégât là, non? Donc mes alliés sont aussi mes ennemis en fait. Reviens en arrière par contre, reviens en arrière vu qu'on a changé de zone. Non, c'est pas intéressant, d'accord. Oula, le feu. Le feu. Il y a quelqu'un qui nous a soigné, je ne sais pas qui c'est. Mais quelqu'un nous a soigné. Je crois qu'il y avait quelque chose sur la gauche. Je suis pas sûr. Non, c'est juste du décor. Ce n'est que du décor, très bien. Oh là, le feu! Ok, d'accord. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'étoiles, là. Ramasser 100 points étoiles pour obtenir une vie, c'est-à-dire un Kirby supplémentaire. D'accord. Donc, Kirby, en fait, c'est la créature. Il y a du feu encore. Une étoile. Jusque là, ça va. Étoile sur 20. Oh, puzzle! Très bien. C'est quoi ça? Du lait. Il y a quoi ici? Des burgers, des sandwichs, du hot dog. Très bien. On grimpe pas. Voilà. Ça c'est... Oh, je suis un caillou! Je suis une statue. Je suis un bloc Mario. Je suis un Kirby de pierre. Ok, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas trop compris à quoi sert ce... Là, j'étais un écureuil, pas comprendre. Ok, c'est pour le poids, d'accord. C'est donc pour le poids. Non, il y avait quelque chose là-haut. Ou pas. C'est juste pour les pièces de puzzle, ça va.
On peut revenir en arrière. Les alliés sont quand même pas trop embêtants. Ça va jusque là. Non, 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 remonte. Voilà. On a failli oublier quelqu'un. Là, il y a quelque chose. Là, c'est la fin du niveau. Alors, on n'y va pas. Wadadidou. On n'y va pas. Vous voulez bien taper la fleur? Ah non, c'est déjà fait. Voilà. Tout simplement. Oh! La porte secrète! Oh, je peux être un caillou de... Je suis du curling! Je suis un caillou! Très bien! Un jour dans ma vie, j'aimerais essayer le curling. Juste un jour dans... Je veux essayer ce sport. Alors, j'ai le choix entre la glace ou la pierre. Vas-y, on va essayer ça. Oh, je peux combiner les pouvoirs entre mes amis. Oh, bien. Alors, les gars, par contre... D'accord, donc j'ai besoin d'être forcément caillou. D'accord, très bien. Là, j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais jusque-là, ça va. C'est bon, toutes les étoiles, toutes les pièces de puzzle. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Non, l'écran ne monte pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Bah, direction la porte de fin de niveau. Je suis pas fan du caillou. Difficile à maîtriser, je trouve. D'accord. Faut revenir en arrière parce que je suis allé trop vite. Oui, faites le taf, oui. Le feu, ça brûle, attention. Le pouvoir, s'il vous plaît. Le pouvoir. Non, bon. Ils ont pas voulu me donner de pouvoir. Très bien. Il y avait rien à appuyer. Non, il y avait rien à appuyer. Dans ce cas. Il y a la pièce de puzzle en dessous. On l'a vu. Il ne faudra pas l'oublier. Je sais même pas où je suis. D'accord, c'est bon, je me vois. Oh là là, la galère. Voilà, c'est bon. Les pièces de puzzle, parfait. Voilà, ici directement. Allez-y, les alliés, allez-y, faites le travail. Voilà. Ça va, les bots ne sont pas trop bêtes quand même. Aïe, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je fais carnaval. Voilà, il y a tous mes alliés. C'est quoi ce bordel? Festiflash. D'accord, et j'ai perdu mon pouvoir. Ça, c'est embêtant. Oh. C'est la flamme qui a appuyé. Palais des rêves ouvert. Vous avez activé le gros interrupteur donnant accès au palais des rêves sur la carte du monde. Allez. Voilà, ça c'est fait. Alors ça c'est la porte de fin de niveau. Y'a rien, bon on se casse. Est-ce que j'ai le niveau parfait? Ah oui, c'est vrai, il y a ça. D'accord, donc niveau parfait, c'est vraiment monter à la fin, quoi. Sur un système puzzle Plasmi 3DS. Hein. Le mont Mielleux. Est-ce qu'il y a encore d'autres étoiles cachées ou pas? Palais des rêves. Oui, on va aller au palais des rêves, bien sûr. Oh, des personnages légendaires. Et là, il y a le gros interrupteur. D'accord. Il n'y a pas d'autres étoiles. Ok. Bah, direction le palais des rêves. Attraper la baguette des rêves pour invoquer des amis spéciaux. Bienvenue au palais des rêves. Utilisez une baguette des rêves pour rencontrer un ami de rêve. La roulette démarre quand vous appuyez sur la baguette des rêves. Appuyez sur A pour appeler les amis de rêve. C'est un Puyo? Je viens de capter là, c'est un Puyo? Je remplace par qui? Je les aime bien tous mes amis en fait. Je vais enlever l'eau. Bon, on va bien voir ce qu'il fait hein. Alors, la coupole chocolat, c'est fait. Direction le mont Mielleux. Avec un Puyo. Ouf. C'est un petit marcassin. Un marcassin hérisson ? On l'a vu dans les herbes. Oh! Je sais pas ce que c'était. C'était sûrement un fruit. Il a bugué. La porte secrète! Et attends. Est-ce qu'il y a des étoiles d'abord? Hop là. Porte à double sens. Quel est ce pouvoir? Oh le yo-yo! Le pyro yo-yo, le yo-yo du feu. Je fais quoi?
pas compris. Ok, très bien, je vais dedans, mais... J'ai quand même pas compris. Il y a une flamme de l'autre côté, là. Oh, c'est bon, j'ai compris. D'accord, ok. Faut bien observer le décor. Mais peut-être que si on recommence... Ah, je peux peut-être casser les côtés. Non. Non, il n'y a rien sur les côtés, d'accord. Très bien. Ouh, la petite vie gratuite. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut être deux pour ouvrir la porte, d'accord. Alors. Oh punaise. Un truc parallèle. Il va falloir bien faire attention à ce que font mes alliés. Ok, la pièce de puzzle. D'accord. Très bien. Aïe. Oh là là là. J'ai perdu beaucoup de vie. Et mes alliés aussi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, je vais remplacer par lui. Parce qu'en fait, je comprends pas le système du Puyo. J'ai récupéré un fouet. Jusque là, ça va. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, là. Vite aux abris! Ah, quand même. J'ai failli ne pas l'avoir. Oh, punaise. Pièce de puzzle. Y a quoi en bas? Rien du tout. On n'est pas dans un jeu Smash Bros, faut faire attention. Alors. Est-ce que là ça va? Ah, le retour de la corde. Mais elle est méga loin, la corde. Pardon, mais elle est méga loin. Un poivron.
Vite. Ok. C'est bon. On les laisse passer ou pas? D'accord. Une clé. Et un gros interrupteur. S'il y en a dans chaque niveau, ça va être galère. Non, c'est juste d'accord, ok. On peut savoir sur la map où sont les gros interrupteurs. Quelque chose en bas? Non. Eh bien, on sort du niveau, dans ce cas. Ah d'accord, maintenant ils sont double ennemi, quoi. J'espère qu'il y avait rien en haut. Je pense pas. Ah, le retour de flamme. Oh punaise. Oh punaise. Vite. Vite. Ok. Et le gros puzzle, parfait. Et il y a deux sorties. Il y a deux sorties. D'accord. Oh, je me rate à chaque fois ici. Bon, deux. Pas mal. La forêt fruitée. Allez, on va descendre au biscuit bonus. Ah, une de mes musiques Kirby préférées. C'est tout? Non, c'est pas tout. Faut aller dans les deux côtés, en fait. Non. Mais non. Sérieusement. Ah si, il fallait faire le tour, ça.
Non, je peux pas. Mais non. Non, on n'appuie pas. La flèche nous dit vraiment où aller en fait. Bon bah on va au milieu alors. Ah bien, j'ai pu mettre un allié là-haut. Qui s'est TP sur moi, punaise. Ah, j'ai besoin de l'eau, par contre. J'ai besoin de l'eau. D'accord. J'ai quand même l'eau. Non plus, je voulais l'eau, mais... Bon, alors... Comment faire ? Celui-là, c'était pas celui-là, c'était le dernier. Voilà, je me suis fait avoir. Il y avait la pièce de puzzle. Hop. Où est la clé? Il y a 3 pièces de puzzle là. Il y a sûrement une grosse pièce de puzzle derrière. Où est la clé? Ou alors la clé, ça veut dire qu'il faut pas se tromper en fait. C'est-à-dire faire toutes les étapes précédentes sans se tromper. Ça doit être ça. Ouais. Bon, eh bien tant pis. Hop, ça craint. Non. Mon pouvoir. Super. Cours, petit Kirby, cours. Oh, je peux ranimer tout le monde. Ça, je ne savais pas. J'ai perdu beaucoup d'étoiles là-dedans. D'accord. Tout le monde est en PLS. Oh punaise, un boss. Où suis-je ?
duel, il se dit battez-le. J'ai rien fait. Ils m'ont fait à ma place. Parfait. Faire un peu. Qui c'est? Il y a un autre. Il y a quelqu'un d'autre. Mon pouvoir! Non! J'ai rien fait non plus. Oh, un pinceau! Très bien. Le pinceau permet d'avoir plein de choses. Il y a tellement de pouvoir. Allez, fin du niveau. Alors, si vous entendez des bruits chelous, il y a des travaux. Donc, c'est normal. Ah, je récupère ma vie, ça c'est cool. J'ai raté pas mal de trucs de puzzle quand même. Ah, j'ai pas eu la grosse pièce de puzzle. C'est pas grave. Il reste 3 niveaux avant la fin du monde. Oh, mais c'est une invincibilité. La pièce de puzzle. Nickel. Est-ce que je peux combiner ou pas? Nature mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux heal tout le monde! Trop bien! Alors, où on va? Puzzle! C'est le niveau du puzzle, ça. C'est une grande porte. Je peux modifier tes stats. Qu'est-ce que c'est que ce corps? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je fais quoi maintenant? Ah, je peux choisir les... D'accord. Non, je suis bien comme ça. Mais je repars tout seul là par contre. Là, je repars tout seul en fait. Rendez-moi mes alliés. L'arnaque. Mes alliés. Revenez. Mais non! Punaise! Aïe, il m'a tapé.
manger déjà. D'accord. Ah, ça sent le boss. Ah, l'arbre. Wispy Woods, le gardien de la forêt. Oh, la vie! Oh, allez-y, bah, battez-vous. Hein. Moi, je vous regarde. Par contre, j'ai que deux alliés. Oula, 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 attention. Qu'est-ce qu'il fallait faire, là? J'ai pas compris. J'ai même pas compris ce qu'il faut faire, hein, c'est pas grave. Manger des pommes, on disait Jacques Chirac. S'il y avait une strat, je l'ai pas compris. Oh, pauvre petit arbre. Maudit qui s'en va. Oh mon dieu, je sens le Dark Meta Knight plus tard qui va être très difficile à avoir à battre. Chahut au château d'Adidou. Même d'Adidou, il va être difficile. Par contre, j'ai vraiment que 3 alliés, c'est pas cool ça. Là, j'ai pas eu la pièce bonus. Mais je crois que je l'avais repéré de toute façon. Ah, j'ai un point sur les puzzles, d'accord. Alors, ça c'est chouette aussi. Donc j'ai fait 4 niveaux à 100%. On va dire ça comme ça. J'ai pas eu la pièce au biscuit bonus. Et il va falloir... au château d'Adidou, il y aura aussi un gros puzzle. D'accord. Peut-être qu'on refera le biscuit bonus pour avoir la pièce puzzle aussi après. Allez, go. Donc c'est le dernier niveau de ce monde. Par contre j'ai que 2 alliés. Hein. Allez voilà, j'ai maintenant 4 alliés, enfin 3 alliés. Je me sens mieux. Il y a un truc en bas. Oh c'est quoi, c'est un chat, c'est un ours, c'est un mythe. Ça c'est quoi? C'est juste une lampe, c'est du décor. D'accord. Ah non, faut les allumer. Une minute, faut les allumer. C'est allumé en bas, oui, c'est allumé en bas, parfait. Aïe. S'il faut, ça sert à rien. Si, ça fait des étoiles. Oh, c'était un Super Saiyan. Je sens venir de l'invisibilité au vu de certaines choses du décor. Ça risque d'être difficile. Jusque là, c'est un enchaînement de... Oh punaise, un ennemi. J'allais dire que c'est un enchaînement de sbires, mais il y a quand même du mini-boss. Un nouveau pouvoir, qu'est-ce donc? Pouvoir du scarabée. Ok. D'accord, très bien. Un peu violent. La porte secrète.
toi, je te prendrai en allié plus tard. Il y a quelque chose ici, je le vois. C'était caché, punaise, c'est bien caché. Alors là, je suis obligé d'avoir un nouveau copain. Et je vais le remplacer par Jim. J'ai envie de garder le feu. Allez, faut nettoyer tout ça. Comment on fait ? Lance ami. D'accord. Et d'accord, vous prenez tout sauf les bananes, sérieux. Les bananes, c'est la vie. Y'a un truc là-haut ? Non, y'a rien. Attaquer les gens. Okay. Là, je vais faire la vie. Parfait. Et la grosse pièce de puzzle. Parfait. Perdu un peu de vie quand même, hein. Oh là. Oh punaise. C'est de la symétrie. Puzzle, parfait. Il y a quelque chose ici, descends. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. J'ai raté le quelque chose, punaise. Mais j'ai quand même la grosse pièce de puzzle, c'est le principal. Pastèque. Oh, l'huile de tout le monde. C'est l'heure du boss. Boss final du monde 1. Non, vous c'est l'arnaque. Toi, je te récupère par contre. Didi. Ouh, les vénères. Roi d'Adidou, le rival despotique. Allez, on spam. Par contre, si c'est derrière la caméra, vous allez pas voir. Hein. Je sais pas où la placer. Tellement d'un coup. Oh punaise, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais. Ah ouais, il a fait des muscles lui. Il a pris de la vie aussi. Il a pris des protéines. Hein. Oh oui, 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 c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. D'accord, c'était pas la nourriture. Vite! J'ai pas mon pouvoir! Non! Qu'est-ce que c'est? J'ai plus mon pouvoir!
vais laisser mes alliés en fait. Parce que... Oui, non, mais il a changé, le King Roi d'Adidou là. Il est badass. Faut taper ça. Je suis obligé de laisser faire mes alliés là. Par contre, je suis dans la troisième partie. Tapez ça. Tapez ça. Voilà. Il y en a qu'un qui est passé, je sais pas comment il a fait. Il y a le ou la flamme qui est en PLS. Ok, c'est bon. Allez, tout le monde se régène, parfait. Pardon, c'est... Pardon. C'est... Très drôle. Très très drôle. Donc il y a deux boss par monde. D'accord. En avant. Ami de rêve. Oh mais non, je peux faire appel au roi d'Adidou. Si je passe par le palais des rêves, d'accord. Adeline Ribon, Dark Meta Knight et Desroches rejoignent. Nous rejoignent aussi. Très bien. Ça sera pour la suite. Le monde des miracles de la planète Pop. Mais d'abord, on retourne au Havre de Paix de Dreamland parce que il y a une pièce de puzzle qu'on n'a pas. Une grosse pièce de puzzle qu'on n'a pas. Puzzle qui se situe ici. Donc on va essayer d'y faire attention cette fois-ci. J'ai toujours pas de pouvoir. Hein, pour... Non, je te veux t'aspirer. Non, je veux t'aspirer. Voilà. Alors, tout droit. Stop, à partir de là, on attend. Donc là, il faut monter. Cette fois, je ne me fais pas avoir. Ensuite, c'était en haut. Ah non, c'est au milieu. Gagne un chapeau, je crois. Ensuite, faut descendre. Faut redescendre. Ok, c'est par là. Des pièces de puzzle, parfait. Ils ont pris des dégâts quand même. Il est bien ce pouvoir du ninja là en fait. Ah mince! Il y a vraiment une clé quelque part? Bah
crois que je voulais trouver. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc j'aurais pu l'avoir, hein, la pièce de puzzle, c'était, même si je m'étais trompé de passage, j'aurais pu... Quoi ? Ah si, c'est bon, c'est une porte rouge, ça va. C'est une porte rouge, ça va, tout va bien. Donc là, j'ai besoin de perdre mon truc de ninja. Très bien. On va clean les ennemis. Ok, d'accord, il a clean les ennemis à ma place. Chacun le sien. Allez. Ça va, j'étais en avance. Parfait. Parfait. Et le coffre. Ah, la pièce de puzzle. Nickel. Oup, 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 on se casse. Dégâts sur 20, on retourne en arrière. Tant pis pour les étoiles. Hop là. Je pense que par contre pour toutes les pièces de puzzle, on doit y avoir 3 tableaux, un peu plus peut-être, par monde. Et il faut peut-être refaire les niveaux pour avoir les petites pièces de puzzle, ça doit être ça. Oh punaise, faut refaire le mini-boss. Ils sont deux, faut retenir, ils sont deux. Et maintenant il y a le pinceau qui arrive. Voilà. On l'a démonté. Oh, pas du pièce de puzzle, parfait. Le heal pour tout le monde. Presque tout le monde. Bien voilà. Ah oh si c'est bon, le 2 ça va, ça passe. Et tout le monde qui heal, parfait. Nickel. La sauvegarde. Et on se prépare pour la planète pop. Alors je pensais faire deux mondes aujourd'hui. Parce que le jeu est relativement court. Par exemple, en 1h20 et quelques, là j'ai fait un peu moins. J'ai fait le premier monde.
Le monde 2 est relativement court aussi, 3 un peu plus long et 4 beaucoup plus long. Mais il y a énormément de bruit en fait dans le bâtiment là, chez moi et au-dessus, les voisins font beaucoup de travaux. Ça s'entend peut-être pas, mais moi ça me dérange en fait beaucoup. C'est aussi pour ça que je me souviens que j'avais décidé de faire du stream de nuit à la base pour éviter le bruit des travaux en journée. Et là, je pensais pas qu'ils allaient commencer les travaux si tôt. Il y a quand même beaucoup de bruit, il y a beaucoup de passages. Donc je suis dans l'obligation d'arrêter là, et tant pis, demain il y aura le monde 2, après-demain le monde 3, et du coup après-après-demain le monde 4. Et j'essaierai de commencer peut-être un peu plus tôt les streams. Voilà. Du coup, je suis désolé, mais je vous laisse là. J'espère que le premier épisode de Kirby Star Allies vous plaît. En tout cas, moi, je trouve sympa. Je trouve le jeu plutôt sympa. On revient au menu principal. Donc, prochain rendez-vous à 14h avec Indo sur un quiz Popcorn 66 League of Legends. Et je vous retrouve ce soir pour du Ticket to Ride Plateau Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? On a accès à quoi? Un cinéma? Je regarde vite fait ce que c'est avec vous. Ce sont les cinématiques. Voilà, tout simplement. Ce sont les cinématiques. Tout simplement. Voilà, donc les réseaux, vous connaissez, hein, vous les trouvez un peu partout. Point d'exclamation social dans le chat si vous ne savez pas, sinon c'est un peu partout. YouTube, vous venez sur Twitch voir les directs, ça sera plus sympa pour participer. Twitch, vous allez sur YouTube voir les VOD et d'autres choses parce qu'il y a des choses sympas. Tout le monde, vous venez sur Discord parce qu'il y a des infos sur les jeux vidéo, les jeux ciné, séries, plein d'autres choses aussi. Et des jeux vidéo à récupérer gratuitement chaque semaine, profitez-en. Voilà. J'ai rien à vous dire de plus. Petit stream, du coup. Mais plutôt sympa. Donc je vous laisse là. Passez une bonne matinée, une bonne journée. À très vite. Je vais mettre le petit message dans le chat. Tac. Voilà, comme ça, ça s'affiche tout joliment, tout plein de couleurs, plein d'amour, de plein de couleurs différentes. C'est beau. C'est beau l'amour. Bah, à très vite et à cet après-midi avec Ando sur Popcorn 66 League of Legends. Cordialement, bisous, c'était Jake.